Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch pour faire des XP en illimité sur Call of Duty Cold War Zombie sur la map oubliée. Alors pour réaliser ce glitch, vous aurez besoin de PhD Slider et de Marathon. Donc prenez ces deux atouts et ensuite rendez-vous au toit du vidéoclub, comme vous le voyez dans le gameplay. À cet emplacement, ce que vous devrez faire, c'est monter sur les caisses et ensuite de traverser le mur qu'il y a en face de vous. Alors pour ce faire, vous allez devoir courir sur les caisses, ensuite sauter et quand vous arrivez à l'atterrissage du saut, vous appuyez sur la touche s'accroupir pour faire un slide. Donc vous allez slider contre le mur. Au moment où vous allez toucher le mur, il faut appuyer sur option pour faire en sorte que le jeu bug et que vous passez à travers le mur. Donc vous courez sur les caisses, vous sautez, vous accroupissez et ensuite vous appuyez sur option dès que votre personnage en plein slide va toucher le mur. Donc vous anticipez le coup pour appuyer sur option au bon moment. Alors essayez de prendre quelques points de repère parce qu'en fait faut vraiment traverser le même mur que moi. Faut pas aller traverser deux murs à gauche ou deux murs à droite. Faut prendre le même mur que moi et essayer de traverser le même mur que moi. Quand vous aurez réussi, vous vous retrouverez de l'autre côté du mur, donc vous serez invincible contre tous les zombies. Après, c'est possible que certains zombies vous touchent, mais logiquement, vous n'allez pas mourir parce que vous allez tuer des zombies assez rapidement. Bien entendu, moi, ce que je vous conseille avant d'aller dans ce glitch, c'est de vous fabriquer l'arme spéciale de la map. Donc si vous ne savez pas comment fabriquer l'arme spéciale de la map, il y a une playlist avec tous les tutos de la map en description et en commentaire épinglé. Donc ensuite, quand vous êtes derrière ce mur, vous allez pouvoir faire des XP en illimité et faire des manches en illimité. Bien entendu, vous pouvez vous en servir pour faire le camouflage de vos armes, mais bon, je vous conseille pas ce glitch-là pour le faire. Ça, c'est vraiment un glitch pour être genre maître prestige super rapidement et super facilement. Alors pour ceux qui ont une clé Cronus Max Pro, je vous mettrai un script en description qui fera en sorte que votre personnage tirera automatiquement tout seul et activera son spécialiste automatiquement tout seul. Donc ça veut dire que vous allez télécharger le script, vous allez le mettre sur la clé USB, vous allez le brancher à votre manette, vous allez appuyer sur flèche de gauche quand vous serez dans le glitch et ensuite ça jouera tout seul. Donc vous gagnerez des XP sans rien faire et vous passerez les manches sans rien faire. Donc vous pourrez faire tout ce que vous avez envie, aller travailler, aller manger, faire ce que vous voulez. Et dernière petite information, si vous voulez sortir du glitch, il suffit juste de vous retourner et d'avancer tout droit et vous allez voir que vous allez tomber dans le vide. Et quand vous allez toucher le sol dans le vide, vous allez être re-TP directement dans la map. Donc si jamais vous voulez changer d'arme ou continuer à améliorer vos armes, etc., vous pouvez sortir du glitch à tout moment. Cependant, il faudra refaire la manipulation du glitch PhD Slider pour retraverser le mur et re-rentrer dans le glitch. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikulo Mike et ciao, peace.